break your rules, and we will break them now. On va commencer. Avant, je finis mon napolitain tranquille. Pas de problème, de mon côté, je lance le jeu, je m'assure que tout se déroule bien. Et tu vas jouer avec Flash and the Gang. Les taux. Moi j'ai joué les taux que j'ai appelé. Oui, mais avec, les taux ils seront aux côtés de l'armée que j'ai appelé Flash and the Gang. Ok. Bah. En vrai. Je vais commencer la vidéo au moment où je dis que je bouffe un napolitain. C'est plus marrant. C'est tellement dégueulasse parce que là, je t'explique en fait. Donc hier j'ai bricolé des armées. Et la dernière armée que j'ai sélectionnée, c'est l'armée Eldar. Du coup, j'ai la prêtresse Eldar ou je sais pas quoi, avec ses couleurs dégueulasses, en plein écran. Ah oui, non, moi j'ai le général Tau, mais il est flashy as fuck, hein. What the... Attends, tu vas voir, t'es pas prêt pour Flash and the Gang. Hein. Ok. Ça, c'est l'armée des Eldar Cancan, frère. Ok. Flash and the Gang, génial. Et le Defiler, putain, mais le Defiler est dégueulasse, c'est génial. Alors, pour une partie en multi, qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, la jungle de Réa, c'est rigolo. De toute façon, il va falloir que tu m'invites, donc voilà quoi. Ouais, tu vas me... Je vais voir si je peux... Tac. Je ne te vois pas connecté sur Steam. Mais tu sais que j'enregistre en même temps. Ah, t'enregistres là? Ouais, ouais. Oh merde. Oh merde. Je te dis, j'ai commencé au moment où je bouffais un napolitain. Oh merde. Je mettrai un bip. Mais ce sera la seule exception, hein, de bip. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Attention, hein. Du coup, c'est pas. Du coup, bonjour, monsieur Reshkaf, comte de la Viardière. Bonjour, capitaine Kimara. Qu'on me connaît. Si on se dit bonjour maintenant, mais la vidéo a été lancée il y a peu. Oui, je s'en fous, c'est pas important. Les gens me connaissent plus sous le nom de Dr. Mork dans la communauté Yu-Gi-Oh. Mais. Il m'avait semblé comprendre en effet. Ouais. Alors. D'ailleurs, c'est ton rôle sur Discord, hein, sur mon serveur, t'es Mork. Hein. Oh, c'est beau. Alors. Non, j'avais jamais remarqué. Alors, est-ce que je te vois pour t'inviter maintenant? Eh oui, alors. Je peux t'inviter à regarder, mais je peux pas t'inviter dans la game. What the fuck. Mais elle est hébergée en multi par Kimara, donc tu devrais peut-être me trouver. Et alors, on va voir si t'as quand même trouvé d'abord. Tu l'as appelée comment la partie? Elle s'appelle Kimara, c'est sur Jungle de Réa, et le mot de passe c'est 5. En chiffres, hein. J'ai mis un 5, c'est tout. Oh là là. Donc j'ai pas encore mis la race que j'ai créée. Que le visuel. Alors comment tu vois, hein, race KO Flash and the Gang. Pour l'instant c'est aléatoire. Chez moi? Ouais, je vois aléatoire en race. Moi je vois race KO et Flash and the Gang, mais là j'ai des trucs qui arrivent. Ça va pas changer là toujours? Bon, ça va se faire je pense. Ok, alors, ah, là, je te Eldar, je vois Eldar. Oui, voilà les Eldar Cancan. Eldar Cancan. Code couleur. je vais te passer. Voici les néons. Si j'arrive à les retrouver, les néons, voilà. Les néons. Mais regarde les codes couleurs à côté parce que c'est ah ouais, je vois ça, c'est bien flashy. Les Pink Ladies des Necrons. t'oublieras pas de te mettre en équipe 1. Parce qu'on va jouer, ensemble. Les Bad Mommies. Space Marine, c'est les moins, voilà, les moins élaborés. Ouais, mais ça doit être mort. C'est pour une affaire, un pote. L'Empire Tau, les Vespasiennes. Tu remarqueras bien la couleur directe tout à gauche. Ouais, je vois ça. Et voici donc les Flash and the Gang, équipe 1. Allez, ben moi du coup, je les ai appelés, enfin tu vois que les Tau c'est toujours des apostrophes, genre les Deianoi, les Borkan, du coup je les ai appelés les Reshkaf. Je trouvais ça plus marrant. Du coup, tu peux te mettre prêt. On va y aller tranquille.
J'ai mis les bottes en facile, hein, on n'est pas là pour se poser ouais, trop on de est questions. Pas là pour souffrir, ok? Ouais. Du coup, question très personnelle pour commencer. Rashkaf, mais qui êtes-vous? Qui je suis? Eh bien, je suis Rashkaf, également connu sous le nom de Giorgio Rashkaf. Je suis donc le propriétaire et le fondateur de la chaîne Rashkaf Productions sur YouTube. Dont il y aura un lien dans la description. Tu es bien aimable. Et je suis également un ami de relative longue date de notre cher ami Dr. Mork, alias pour moi, cher à mon cœur, le capitaine Kimara. Ouais. Je suis celui qui l'a fait rentrer dans le YouTube game, il faut savoir. C'est vrai, on va oublier les vidéos honteuses que j'ai fait du temps de mon collège, où je faisais du LipTub sur Mortal Kombat. C'est mieux. Il fallait que je me donne une importance. Mais oui. Et oui. À côté de ça, je suis également un créateur de Saga MP3. Voilà, donc c'est dont tout ce qui s'appelle le donjon de Nullbuck, voilà. Reflet d'acide, Banal Fantasy. Oui, et tu fais ça depuis longtemps en plus au final. Hein, Ça fait 4-5 ans, ouais. Enfin, j'ai complètement oublié comment. Ouais, moi, mec, j'ai essayé de bouger ma. J'ai essayé de bouger ma. Ma fenêtre avec l'écran les directionnel, le jeu il a commencé à me dire oh, qu'est-ce que tu fais? Du coup ça fait un moment qu'on se connaît et que tu fais des vidéos même des vidéos sur internet. Attends, je vais faire vraiment alt tab pour baisser le son du jeu parce qu'il est affreusement fort. Et que j'ai peur qu'on t'entende pas du coup. Ouais, il était à 30. Voilà, c'est bon. Du coup, ouais, ça fait un petit moment quand même. Et bah déjà, ça t'est venu d'où? À ce que je me souviens, tu fais aussi partie d'un groupe de Saga MP3, non? Ouais, du groupe Javras. Ça. Ouais, plus que du son. Exactement, Javras, plus que du... Comme quoi, je fais un peu gaffe. Ouais, c'est... Alors on va vérifier un peu la couleur de tes yeux. Oh là là, qui sont beaux. Ah, ils sont magnifiques. Hein. Qui sont beaux, l'espèce marine du chaos. Paste down my face, on my hair, on my shirt. She looks at me and I look at her. Du coup, quand on aura stabilisé notre économie, hein, parce que ça va arriver un moment où on va péter la gueule à tout le monde, on parlera plus en détail de ta chaîne, ce genre de trucs. Tu nous mettras même des petits extraits vidéo. Hein audio, tu veux dire. Audio, pardon. Suis-je bête je me fais latter la gueule, là, merde. Ouais, ça arrive, je vais t'envoyer deux escouades. Non, t'en fais pas... Oh, si. J'ai cavé comme un débile. Your life is your life. Somewhere there is light. The gods wait to delight in you. It meets the darkness, more marvelous. Who's pretending to be a rose? Your life is your life. The force, the repetitions. Don't let it be club. And it takes submission. You should get to the point where anyone else would quit. You're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. Just do it. Yesterday you said tomorrow. Just do it. Don't let your dreams be dreams. And more often you do it, the more light there will be. The more light there will be. I squirt toothpaste in my mouth. I start to brush. She's looking at me. I start to blush. Sometimes it feels like we fill that void between us. Black void between you and child above. Paste down my face, on my hair, on my shirt. She looks at me and I'm looking at her. I grow myself underwater, knowing for pleasure. Ebb and flow, expanding the pressure. Just do it, nothing is impossible. Just do it, yes. Bon, du coup, Rashkaf, qu'on parle un peu aussi de. Parce que là, on fait que jouer depuis tout à l'heure, mais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais comme c'est ça vrai, on ne fait que jouer, mais en même temps, on n'a pas le temps de trop de parler, étant donné qu'on se fait casser le cul. Qu'est-ce que tu fais comme saga audio en ce moment, typiquement, par exemple? En ce moment, j'essaye de travailler sur la croisade solitaire, mais ce n'est pas très simple parce que. Bah, ce n'est pas.
j'ai des légers problèmes de motivation en ce moment. Bah, comme nous tous, j'ai l'impression. Le confinement n'est pas bon ménage avec la motivation de tous. Non, c'est d'une manière générale, je ne suis pas motivé. Oui, mais bon. On va essayer de te trouver des excuses. Mais ok. Et d'ailleurs, on fait du stream à deux. Enfin, du let's play d'habitude. Sur Reshkaf Production. Que je transmets des fois. Quand une meuf me dit, mais qu'est-ce que tu fais, Eric? Je fais, ben, je joue aux jeux vidéo des fois. Et elle me dit, ouais, ah, montre-moi. Oh. Et je lui montre. Ça, ça fait une vue. Maintenez la position dans la brèche, sale chien. Et donc, il faut savoir avant tout que faire la Sega MP3, ça, c'est pas juste faire le con devant un micro. Oui, il y a écrit une histoire, un texte, ça. Voilà. C'est plus donc, compliqué ça peut que. On finit par faire le con devant un micro, mais c'est un autre problème. Ça, il y a peut-être un peu trop de bruit pour. Ah non, mais en fait, moi de mon côté, il y a pas la guerre, hein, donc tu peux y aller, il y a pas de bruit. Ah d'accord. Eh bien, c'est. Le con dans le micro, mais parfois, il arrive que ceci se produise. La bêtisier spéciale Reshkaf vous est offerte par Reshkaf et JLC Blaze Du, mais surtout Reshkaf. Tabernac. J'aide rapidement le shérif à se faire un bandage à l'épaule, et voilà qu'on s'enfonce dans une grotte. Avoue que tu fais exprès de mettre tous ces sous-entendus sexuels. Avoue que tu le fais exprès. Faudra faire une version québécoise de ce mono. Ta vie s'arrête ici, Yama Stewart. Sa folie aussi. Bon, c'est terminé, shérif. Tabarnak. Non, j'ai pas lu le scénar. Elle va mourir, c'est ça? Quelle surprise! Sacrifiée à Satan! Ah non, ah dommage. Elle se sacrifie pour moi, c'est ça? Parce qu'elle m'aime au fond et... Non? Putain. Ah putain, je suis devenu une ghoul, c'est comme ça que j'ai rencontré SDA, et on était perdu dans Fallout. Enfin, lui, il était perdu. Moi, j'étais perdu aussi, mais je voulais pas le dire. Et du coup, je me suis fait passer pour un mec vachement dark. J'ai fait style, je connaissais tout, mais en fait, que dalle. Moi, je me suis juste terré dans un trou pendant 500 ans depuis que les monstres ont sauté, tu vois. Moi, je suis une baltringue, en vrai. Oui, mais chef, pourquoi des tourelles pourraient pas être lesbiennes? Bah, je suis venu acheter des gâteaux de l'ingrédient pour Alexa, oui. Exactement. Bravo. Bravo. Le talent. Oui, bien sûr, je suis venu acheter des ingrédients d'Alexia pour le gâteau, oui. Je vais faire une Alexia. Et elle sera à moi. Elle sera à moi, rien qu'à moi. Le mec qui part dans un délire trop creep. Bah, je suis venu acheter les ingrédients du gâteau pour Alexia. Tu te souviens pas? Je l'aime tellement. Je veux la demander en mariage à son anniversaire. En mode podane, je vais glisser une bague, en espérant qu'elle la bouffe pas. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Mes voisins me prennent pour un fou, je râle, je suis français. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et oui, c'est la version masculine de la cantinière. Eh, je râle, qu'est-ce que vous voulez? Je suis français, moi, vous voulez de la morue? Je m'appelle Cunégon. Voilà. Et donc tu t'appelles Cunégonde? Non, ouais, Cunégonde, ça c'est un délire que j'ai eu pendant l'enregistrement justement. Donc effectivement il peut arriver que pendant l'enregistrement on soit dirigé par le créateur, ce qui peut donner parfois le lieu qu'il y avait dans la version au début. Mmh.
Bah, moi j'ai fini la dinde. T'as fini la dinde? Bah, le truc que j'envoie vers l'ennemi là. Bon. Bah, moi je pense que j'ai un bon paquet de débiles là, on va y aller. Allez. Je vais faire un peu de brute force. Je te suis. Je vais faire un peu de brute force. Ah oui, ça! Ouais, la dinde! Bonjour! Bon, je vais me mettre derrière toi pour éviter que l'ennemi te reprenne par derrière. Tu es bien aimable, même le chaos n'aime pas se faire enculer. Sous la neige, on sait pas trop. Oui, non mais sous la neige c'est autre chose, parce que sous la neige c'est quand même le dieu qui s'est fait murderfuck qui n'existe. Donc voilà quoi. Oh, un commissaire! Mais tu es le commissaire enfin! Il risque d'abattre quelqu'un, ça va la rendre plus fort! Abattez-moi le commissaire! Abattez-le, Légolas! C'est vrai, j'avais tout le temps oublié ce moment dans le film en plus. Alors pour l'anecdote, hein, j'ai lancé la vidéo en mode. En plagiant son petite salutation, voire aucune, tu vois. T'aurais pu, hein. Il aurait pas mal pris. Hein. En plus, ça vient de Philippe Lebel, hein, pas de lui. Ouais, il a expliqué. Mac, il explique bien les choses, Brice. Quand tu fais souffrir le serviteur, il travaille plus vite. C'est comme le capitalisme en fait. Sauf qu'ici ça marche. C'est vrai.
Et ben voilà. Voilà. Fantastique. C'était... Ouais. J'ai... T'as quoi ? Franchement, tout ce que j'ai à dire après ta performance... C'est balèze. Oui. Merci. Mais ça va, j'ai pas trop... À part le fait que je jouais tôt, ça va, j'ai pas trop perdu la main. Moi, j'ai complètement perdu la main. J'ai plus joué, j'aurais dû... Je voulais pas jouer les Nécrons parce que c'est eux que j'ai l'habitude de jouer. Et les Nécrons, c'est des villes, tu bourres les centrales. Et ça marche. Ouais, mais là, pour le coup, ça va. Tranquille. Voilà. Bon, écoute, on va couper l'épisode ici, parce qu'en plus, le jeu a... En mode, j'admets qu'au début de la game, j'étais en mode... Je suis pas rassuré. Ouais, c'est... Ça m'étonne pas. On va couper les... Enfin, je vais arrêter d'enregistrer ici. Donc, okay. Bisous, Reshkarf. Pareil, du coup. Bisous, Kimara. N'hésite pas à m'envoyer, monsieur le comte, n'hésite pas à m'envoyer ta version à toi, qui doit être peut-être de meilleure qualité. Tu veux que je t'envoie aussi la... Le meilleure qualité, c'est pas dit. Tu veux que je t'envoie aussi le petit truc où je souille les armées? Ouais, et en fait, tu vois, le sample audio que tu as passé là tes trucs, ça, je veux bien que tu me l'envoies, parce que comme ça, je coupe le son de la vidéo et je mets ça en fait. Je mettrai tout. Comme ça, il sera pas coupé. Bah, nickel, merci beaucoup. Je te fais un package. Et ouais. Maintenant, cut, au revoir. Au revoir. Ah non. Riveting.